نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et son pardon. Cherchons refuge auprès de lui contre les méfaits enfuis dans nos âmes ainsi que nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider en dehors de lui. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, sans associé. Et je témoigne que Muhammad, à lui le salut et la paix, est le serviteur d'Allah et son envoyé. Qu'Allah le mentionne élogieusement auprès des anges rapprochés, ainsi que sa noble famille, ses compagnons bien guidés et tous leurs suiveurs dans le bien jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Suite à quoi, nous poursuivons nos cours sur la sira, la vie du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Après une longue interruption, nous avons repris la semaine dernière et nous étions toujours sur le chapitre de Al-Hijra, l'Hijra, ce voyage que le prophète alayhi salatu wa salam a fait, quittant la Mecque vers Médine afin de préserver sa foi et a ordonné aux musulmans de l'époque également de le faire. Et nous rappelons que l'Hijra reste toujours légiféré jusqu'au jour dernier. Aussi longtemps qu'une personne est menacée pour sa foi et ne parvient pas correctement à poser les fondamentaux de sa religion quelque part, alors il lui est impératif de quitter ce lieu pour trouver un lieu dans lequel il va véritablement mettre en pratique les commandements d'Allah le Très-Haut. Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim » يقولون فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض مستضعفون في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Ce dont les anges recueillent leurs âmes alors qu'ils ont été injustes en leur disant: et vous, quelle a été votre situation? Pourquoi vous ne pratiquiez pas votre religion? Ils vont dire: nous étions opprimés sur la terre de telle sorte qu'on nous a interdit de pratiquer notre religion. Et les anges leur demanderont: mais est-ce que la terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour que vous émigriez? Et ainsi ils auront une mauvaise fin, qu'Allah nous en préserve. La dernière fois nous avons dit l'hijra du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, al-hijra, rempli de leçons, wallahi al-azim. Je reviens sur les questions, et vous savez, il y a toujours des livres, il y a un livre qui reste à gagner. Nous avons dit ici, ou alors on garde les questions pour la fin du cours, Inch'Allah. Nous avons dit que, alors que les Quraysh ont constaté que l'ensemble des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam avaient quitté la Mecque pour se rendre à Médine sur ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après avoir conclu un accord avec les musulmans de Médine, les Ansar, pour les accueillir, les musulmans de la Mecque, les Muhadiroun, ont commencé à quitter la Mecque de manière secrète, en cachette. Parce que
Ce qui est étonnant avec ces polythéistes de la Mecque, non seulement ils ne laissaient pas les musulmans pratiquer leur foi, et quand les musulmans décident de partir premièrement à Habasha, en Éthiopie actuellement, ils les suivent là-bas également pour les boycotter, pour les faire en sorte qu'ils reviennent. Et quand ils décident également de partir à Médine en leur disant « Nous vous abandonnons la Kaaba, là, restez là-bas vous et vos idoles, nous partons où nous allons pratiquer notre foi, où nous allons pouvoir propager cette religion d'Allah tabaraka wa ta'ala », là également, ils ne les laissent pas partir. Alors les croyants étaient obligés de partir en secret. Il y a quelques-uns, comme Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le jour où il quittait la Mecque pour Médine, il allait faire deux unités de rakat devant la Kaaba. Il a fait le tawaf et il a fait deux unités de rakat. Puis il a dit, celui qui voudrait que sa femme devienne veuve et que ses enfants deviennent orphelins et que ses parents ou sa famille pleurent sa disparition, qu'il me trouve derrière cette montagne. Je suis en train de partir pour Médine et je vais en hijra pour Médine. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ainsi il est sorti de Mecca ouvertement comme cela. Et vous le savez, il y en a ceux dont lorsqu'ils sortaient, on les a attendus à la sortie de Mecca pour les bloquer. Les faibles parmi les vieillards, les femmes, bon nombre n'ont pas pu faire la hijra parce qu'ils étaient opprimés. Mais il y a également ceux dont on a attendu à la sortie de Mecca pour faire quoi ? Pour leur dire, pour les dissuader de partir, mais également récupérer leurs biens. On a vu le cas de Suhaib al-Rumi ici. Ils lui ont dit, tu es venu ici à la Mecque alors que tu étais pauvre, tu n'avais rien. Puis tu as fait fortune ici à la Mecque. Aujourd'hui, tu dis que tu pars à Médine et tu veux partir avec toute cette fortune. Soit tu pars et cette fortune reste derrière, soit alors les deux même ne partent pas, ni toi ni la fortune. Il leur a dit, c'est seulement la fortune. Alors prenez tout. Si vous voulez, je veux même également vous indiquer, j'ai des terres à tel endroit, j'ai du trésor caché à tel endroit, prenez tout. L'essentiel pour moi, c'est de fuir avec ma foi. Allahu Akbar. Lorsque la nouvelle est parvenue au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons dit, il a dit, Rabbi ha Suhaib. Suhaib a fait de bénéfices, il a fait beaucoup de bénéfices, c'est-à-dire ce n'est pas une perte. On a parlé ici également de Abu Salama, qu'on a séparé de Umm Salama, et on a même pris son enfant. C'est plus tard qu'Umm Salama l'a retrouvé à Médine. Donc ils sont nombreux comme ça qu'on a mis à mal. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il était resté comme on avait dit, il attendait l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les prophètes ne sortent pas sans ordre de mission. Moussa alayhi salatu wa salam, c'est la nuit qu'Allah le Très-Haut lui dit fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un. Prends mes serviteurs, prends les enfants d'Israël, sortez de nuit, mais vous allez être suivis par Pharaon. Également Lout, le prophète d'Allah, Lout, de la cité de Sodome et Gomorre, où l'homosexualité avait débuté, la cité renversée, c'est la nuit qu'Allah lui a dit de sortir avec les croyants en sa compagnie, car le châtiment va toucher les autres à Soubh. Et Pharaon également, le châtiment l'a pris à Soubh, à l'aube du dixième jour du mois d'Al-Muharram, le jour d'Ashura. Ainsi, tous les prophètes attendent d'abord l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala pour partir. Et lorsque l'Empire romain, qui se sont ligués pour aller crucifier Isa alayhi salatu wassalam, Jésus a lu le salut et la paix, l'ange Gabriel est venu lui dire, c'est le moment de partir. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ces polythéistes de la Mecque constatent que tout le monde a quitté, la plupart de ses compagnons sont partis à Médine. Et la population de Médine, les Arabes de Médine, majoritairement sont déjà devenus musulmans. C'est-à-dire l'accueil qui attend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il arrive à cet endroit-là, l'islam va avoir la force. Et il va avoir un terrain où il pourra bien enseigner cette religion. Ils ont donc décidé, comme on l'a dit ici, de faire une réunion en pleine nuit. En pleine nuit. Une réunion secrète. Dans laquelle étaient conviés tout ennemi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le shaytan, le diable a pris la forme humaine ce jour-là et est venu à cette réunion-là. Ils ont fait des complots, ils ont donné quelques points. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru »
liyakhrujuka ou yuthbituka ou yaktuluk. Lorsque ceux qui ont mécru complotaient pour t'expulser, pour t'emprisonner ou alors pour te tuer. Wayamkuruna wayamkurullah. Ils faisaient des complots et Allah faisait le sien. Wallahu khayrul makirin. Et Allah est le meilleur de ceux qui complotent. Quand ils ont donc pris la décision de le tuer, et que pour que sa tribu ne puisse pas le secourir après sa mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de choisir dans chaque tribu un jeune homme bien fort. On l'a armé d'un sabre bien poignant et on leur a demandé d'entourer la maison du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'entourer la maison du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, d'attendre que la nuit, il avait l'habitude de sortir au dernier tiers de la nuit pour aller faire les prières au niveau de la Kaaba, d'attendre qu'il sorte et dès qu'il sort à cet instant-là, qu'il s'en prenne à sa vie. Comme un seul homme, il l'abatte. Ainsi, si sa tribu veut venger sa mort, ils ne pourront pas, parce que ces jeunes hommes-là sont issus de différentes tribus. Sa tribu à elle seule ne peut pas faire la guerre à plusieurs clans. Ainsi de suite. C'est pourquoi, comme je l'ai dit ici, ce n'est pas seulement Jésus a lu le salut et la paix en tant qu'envoyé d'Allah qu'on a attenté à sa vie pour dire que Jésus est venu mourir pour les gens. Non, on a attenté à la vie de Jésus a lu le salut et la paix. On a fait un grand feu, on a jeté Abraham dedans. Ibrahim alayhi salatu wassalam. Moïse poursuivait Pharaon, Pharaon poursuivait Moïse. Vous pensez que s'il l'arrêtait c'est pour jouer avec lui? C'est pas pour jouer avec lui. Le peuple de Lot, ils ont comploté contre lui également. Le peuple de Noé, il bastonnait Noé jusqu'à ce qu'il perdait conscience. Il perdait connaissance et lorsqu'il reprenait, il revenait à lui, il disait « Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun »« Seigneur, pardonne à mon peuple, car il ne sait pas ce qu'il fait. » On a tenté à la vie de tous les messagers d'Allah. Tous les envoyés d'Allah, on a tenté à leur vie. Donc personne d'entre eux n'est venu mourir pour qui que ce soit là. On a tenté à leur vie parce qu'ils voulaient sortir l'humanité du paganisme, de l'idolâtrie sous toutes ses formes, du culte des idoles vers l'adoration d'Allah seul sans associé. Et toute personne qui a la religion propre, même sur cette terre actuellement, il est persécuté, il est opprimé, on le taxe, vous voyez pas tout l'acharnement qu'il y a sur l'islam dans le monde? Vous allez voir cet acharnement-là. Donc chaque fois que tu arpentes la voie des envoyés d'Allah, tu vas comprendre donc pourquoi est-ce que ces envoyés d'Allah étaient mal vus. Jésus était mal vu par l'Empire romain. Moïse était mal vu par le Pharaon et ses notables. Ainsi de suite, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était mal vu par les notables de Quraysh. Ils sont mal vus parce qu'ils viennent mettre à mal l'ordre mondial qu'il y a. Cet ordre mondial qui est le diabolisme, l'idolâtrie, l'homosexualité et tout cela. Et il rappelle les gens vers la foi, l'adoration d'Allah seul sans associé et le respect des commandements d'Allah en tout lieu et en tout temps. Donc, ils ont entouré la maison du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et c'est ce jour-là que Jibril alayhi salatu wa sallam lui a porté dans l'ordre de mission. Et au préalable, il avait dit à Abu Bakr de ne pas bouger, d'attendre. Et quand il a reçu cet ordre de mission, qu'il ne doit plus passer la nuit aujourd'hui à la Mecque, c'est le jour où il doit quitter la Mecque pour Médine, parce que dehors, hors de sa maison, des gens sont là prêts à l'assassiner, et qu'il ne devrait pas dormir dans son lit, c'est ce que l'ange Gabriel lui a dit. Il a demandé à Ali, radiallahu anhu, de dormir dans son lit, qu'il a remplacé dans son lit, puis il est sorti, Allah a jeté le sommeil dans les yeux de ces gens-là, il est sorti, il leur a versé du sable sur la tête et il est parti. Comme vous le savez, il avait préparé Abu Bakr qu'ils vont faire la hijra ensemble. Ainsi, ils sont sortis, nous avons dit ils sont sortis quand? Un vendredi soir. Quand il est sorti, il a récupéré Abu Bakr. La seule issue, c'était de sortir et de prendre la route de Médine. Mais il savait qu'on va les poursuivre et on pourrait les arrêter. Il a donc décidé de mettre en place des stratagèmes. Et c'est pourquoi on vous dit, quelqu'un ne va pas se coucher sur le goudron en disant, si Allah a dit que le camion va m'écraser, il va m'écraser. Si Allah n'a pas dit que le camion va, si Allah a dit que le camion ne m'écrase pas, il ne m'écrase pas. Non, c'est pas ça, mais placer sa confiance en Allah. C'est prendre des causes
et par la suite tu ne t'appuies pas maintenant sur ces causes, tu te remets à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu prends des causes, tu prends un médicament quand tu es malade, mais tu ne penses pas que c'est ce médicament-là qui te guérit, tu penses que c'est Allah à travers ce médicament qui peut t'apporter la guérison. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé avec Abu Bakr et ils ont grimpé une monticule. Ils sont entrés dans la grotte qu'on appelait Gharu Thawr. C'est très haut. Quand vous allez à la Mecque, essayez de voir. Ils ont grimpé et ils se sont cachés dans cette grotte-là. Lorsque ceux qui avaient entouré sa maison se sont rendus compte qu'ils sont déjà partis, ils se sont lancés à leur poursuite. Ils ont pris la route de Médine, ils ne les ont pas retrouvés. Ils les ont cherchés partout. Pourtant, ils étaient encore dans la Mecque, cachés dans une grotte. Alors, on a décidé de mettre leur tête, on a mis à mort leur tête. On a dit 100 chameaux pour celui qui ramène Abu Bakr ou le prophète sallam vivant ou mort. Soit tu les ramènes vivants, nous les exécutons, soit tu nous ramènes au moins le cadavre pour nous prouver que tu les as tués. Mise à mort, 100 chameaux. Vous savez, ces gens qui ont mis 100 chameaux pour celui qui ramène le prophète sallam vivant ou mort, le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la force et il est rentré à Makkah, il leur a pardonné. Eux, ils voulaient sa tête. Mais lui, quand il a repris la Kaaba, il leur a pardonné. L'islam, c'est une religion de miséricorde, loin de ce que les gens décrivent de l'islam. Le prophète sallam était dans cette grotte, Gharu Thawr. Avant d'entrer, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anha, vérifié au préalable l'intérieur de la grotte. Tout cela, on a déjà vu, c'est juste une révision. C'est pourquoi je brûle les étapes. Abu Bakr a vérifié l'intérieur de la grotte, a bouché l'ensemble des trous et il restait quelques trous et il a mis ses pieds. Et le messager d'Allah sallam est entré dans cette grotte. Ils ont passé, comment je peux dire cela, ils ont passé vendredi soir, jeudi, samedi soir et dimanche soir, donc trois nuits dans cette grotte-là. Il était question qu'ils sortent lundi matin. Entre-temps, les gens de la Mecque les cherchaient partout. Ils avaient même employé les services des devins et des charlatans qui traçaient le sable pour voir. Ils sont même arrivés jusqu'à la porte de cette grotte. Et leurs pieds étaient là. Et Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu disait au prophète sallam, s'ils regardent seulement leurs pieds, ils vont nous trouver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait, wa ma baaluka bi ithnayn wallahu thalithuhuma. Que penses-tu de deux personnes dont Allah est le troisième d'eux? Que penses-tu de deux personnes qu'Allah est le troisième d'eux? Allah dit, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thani ithnayn id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Lorsqu'il a dit à son compagnon, n'aie crainte, Allah est avec nous. Comme Moïse avait dit à son peuple, devant eux la mer, derrière eux Pharaon, il n'y avait pas d'issue, et qu'ils ont dit, inna la mudrakun, nous allons être rattrapés. Et si Pharaon nous rattrape, là, ça ne veut pas être une partie de plaisir pour nous. Il leur a dit, Kalla, bien au contraire, inna ma'iya rabbi sayahdin, mon Seigneur est avec moi et il va me guider. Wa awhayna ila Musa, Allah dit, nous révélâmes à Moïse de frapper la mer avec son bâton. Ainsi, le sallam dit également ici à Abu Bakr, Allah est avec nous. N'aie crainte, Allah est avec nous. Pendant la journée, comme je vous l'ai dit, le fils d'Abu Bakr, qui est Abdullah ibn Abi Bakr, il passait la journée à sillonner dans la Mecque, à entendre les complots que les polythéistes, leurs stratagèmes, les plans qu'ils faisaient. Et la nuit, il allait à la grotte rendre visite à son père et au prophète sallam pour leur dire, voilà ce qu'ils disent. Et le matin, vu que c'est le désert, les traces de pas peuvent rester sur le sable, avant que le matin n'arrive, Amir ibn Fuhayra, qui était le berger d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, il était un esclave auparavant, Abu Bakr l'a racheté et l'a affranchi, lui a donné sa liberté et il travaillait en tant que berger pour Abu Bakr. Il prenait cette même route-là pour faire manœuvre de diversion, faire disparaître les pas d'Abdullah ibn Abi Bakr et venait au petit matin au pied de cette colline extraire du lait du lait de chamel et montait donner au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il boive. Et au préalable également, le sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient cherché un guide pour ce voyage et vous allez comprendre que dans ce voyage, même un polythéiste de la Mecque a aidé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah décide que rien ne t'arrivera
même les inconvénients deviennent des avantages. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala décide, wallahu ghalibun ala amrihi, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Allah aura toujours le dessus sur ce qu'il a ordonné, mais la plupart des gens ne savent pas. N'ayez crainte, parce que les croyants sont opprimés partout dans le monde. Wallahi wal aqibatu lil muttaqin. La bonne fin appartient aux pieux. La bonne fin appartient à cette religion, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Soyez-en sûrs. On a tout comploté contre les prophètes, mais jamais on a réussi à éteindre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les frères de Youssouf, Joseph, à lui le salut et l'appel, ont jeté dans le puits pour que le rêve qu'il avait vu ne se réalise pas. Mais wallahu ghalibun ala amri. Allah a toujours le déçu sur ce qu'il a décidé. Walakinna aktharun nasi la ya'lamun. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ici, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont employé un polythéiste de la Mecque, un idolâtre. Qui était qui? Abdullah ibn Urayqit. Lui, c'est quelqu'un qui connaît les sentiers, les pistes, les routes qui peuvent mener à Médine. Dès vendredi, avant d'entrer dans la grotte, ils lui ont donné deux chameaux d'aller bien les graisser. Et également préparer également sa monture. Et ils lui ont donné sa part également de gain pour ce voyage qu'il va faire avec eux. Mais la clause, c'était qu'il garde le silence. Et pendant tout ce temps qu'à Mecca, dans la Mecque, on cherchait le Prophète sallam et Abu Bakr, et qu'on avait mis leur tête, on avait mis à mort leur tête, et qu'il y avait 100 chameaux à gagner, wallah, il n'a pas trahi cela. Regardez, un polythéiste, un idolâtre, mais il sait que lorsque tu t'es engagé, tu dois remplir ton engagement. Combien de gens aujourd'hui sont musulmans mais ne respecte pas l'engagement? Si tu lui confies un dépôt, tu fais confiance, tu lui confies un dépôt, il te trahit. Il a gardé le secret et il est venu justement lundi matin. Le Zazalam est sorti de la grotte ce lundi-là et ils sont sortis et finalement ils ont fait le voyage pour de Mecca vers Médine à 4. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, et Amir ibn Fuhayra, qui était le berger d'Abu Bakr. Abu Bakr lui a demandé de venir également avec eux dans ce voyage pour leur être utile. Ainsi que qui? Ainsi que Abdullah ibn Urayqit, cet idolâtre, ce polythéiste qui leur montrait le chemin. Et il y avait justement trois chameaux. Abdullah ibn Urayqit, lui, il avait sa monture, son chameau. Et il y avait deux qu'il a apporté pour le Prophète sallam et Abu Bakr. Abu Bakr a laissé son chameau à lui à Amir ibn Fuhayra, et il est monté sur le chameau du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ensemble. Maintenant, ils pensaient qu'ils allaient prendre la route habituelle, mais comme Abdullah ibn Urayqit c'était un expert des sentiers et des pistes, il a emprunté des chemins que des gens, ça fait longtemps, les gens ne prennent plus. Parce qu'il savait que sur la voie libre, il y a des barrages. Partout on les attend, il y a des contrôles, les mercenaires qui attendent pour gagner ce prix de 100 chameaux. Ils ont pris des sentiers, ils ont commencé, ils ont marché lundi toute la journée dans ce soleil-là, toute la nuit. Mardi, c'est vers midi qu'ils sont arrivés près d'un rocher où il y avait de l'ombre, ils se sont reposés. Et chaque fois qu'ils croisaient des gens dans la route, les gens avaient l'habitude, ils connaissaient Abu Bakr, parce qu'Abu Bakr était un riche commerçant qui faisait souvent la route de Médine. Mais ils ne connaissaient pas trop le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, à chaque fois, il demandait à Abu Bakr, qui est cet homme avec qui tu partages ta monture? Il disait, Hada dalili yahdini ila tariq. Celui-là, c'est mon guide, c'est lui qui me montre le chemin. Allahu Akbar. Voyez-vous, le mensonge est aux antipodes de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un récit, on lui a demandé, le croyant peut-il faire ceci? Il dit oui. Le croyant peut-il faire cela? Il dit oui. Il dit non. Il dit oui. Oui. Mais quand on lui a demandé, le croyant peut-il mentir? Il dit non. Le croyant ne ment pas. C'est pourquoi fais ton possible que même lorsque tu es dans des situations difficiles, où il te semble obligatoire de mentir, dis quand même une parole qu'elle peut avoir deux sens. Dans un sens, ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité que tu as dit. Ici, ils lui ont demandé qui est cet homme. Ils ne pouvaient pas leur mentir en donnant une autre identité qui n'est pas l'identité du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam.
Mais également, il ne pouvait pas leur dire la vérité que c'est l'envoyé d'Allah, alors que les mercenaires le cherchent. Alors il leur a dit, c'est mon guide, c'est lui qui me montre le chemin. Eux, ils ont compris la phrase comme si c'est le guide qui lui montre le chemin du désert. Parce que quand tu marches dans le désert, tu as besoin d'un guide. Ce n'est pas les goudrons tracés avec des plaques et des plaques d'indication. C'est le désert, il n'y a pas un goudron. Eux, ils ont compris ça comme si c'est le guide qui lui montre le chemin du désert. Pourtant, lui faisait comprendre, c'est mon guide, c'est-à-dire c'est celui qui me montre le chemin qui me mène au paradis. Le message d'Allah est notre guide. Donc, il n'a pas menti dans cette parole-là. Ainsi, il faut toujours savoir faire ça. On dit à Tauriya. Une parole que, dans un sens, c'est la vérité. C'est comme les figures de style. Alors, quand ils se sont reposés mardi soir, à mardi dans l'après-midi, puis ils ont repris le chemin. Ils ont repris le chemin jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à un endroit où ils ont trouvé les tentes de Ummi Ma'bat. Je vous ai dit que Ummi Ma'bat, elle et son époux, c'était des gens qui se sont installés en plein désert. Ils ont fait leur tente là-bas pour faire quoi? Pour offrir leur hospitalité aux voyageurs. Pour que lorsque les voyageurs passent par là, s'ils n'ont pas de quoi manger ou leurs provisions sont finies ou ils veulent se reposer, qu'ils prennent quand même asile auprès d'eux. Et quand ils sont arrivés auprès des tentes de Ummi Ma'bat, ils ont trouvé Ummi Ma'bat seule. Son mari était allé faire prêtre son troupeau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande, non, Abu Bakr demande à Ummi Ma'bat, peut-on avoir du lait auprès de toi? Peut-on traire ta brebis qui est restée là? Ummi Ma'bat leur dit, voyez-vous, cette brebis elle est faible. Elle est à peine nourrie. C'est pourquoi elle n'a même pas pu suivre le troupeau pour aller prêtre avec le troupeau qui allait avec mon mari. C'est une brebis très faible. Je ne pense pas que vous puissiez avoir quelque chose. C'est pourquoi elle est faible, c'est pourquoi elle n'est même pas sortie. Donc il n'y a pas de lait dans cette brebis. Et en plus, c'est avec cette sécheresse au désert. Le prophète a lu le salut et l'appel, lui dit, me permets-tu quand même de traire cette brebis? Elle dit oui, si tu vas trouver quelque chose. Il a demandé un récipient, il a touché les mamelles de cette brebis et il a invoqué Allah en lui demandant de bénir ces mamelles-là. Il s'est mis à traire le lait, a rempli le récipient, il a fait boire Abu Bakr, il a fait boire à Amir ibn Fuhayra, il a fait boire à Abdullah ibn Urayqit, lui-même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a bu à volonté, ils ont fait boire à Ummi Ma'bat elle-même, puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé d'apporter tous les récipients qu'il y a dans la maison et il a rempli du lait dedans. Et puis ils sont partis, ils ont continué la route. Lorsque le mari de Ummi Ma'bat est rentré, il constate tout ce lait, il dit, d'où te vient ce lait-là? Elle dit, de cette brebis. Il dit, comment cela? Il dit, il y a un homme béni qui est passé dans cette maison. Son mari dit, décris-moi cet homme. Wallahi l'azim, les savants disent que dans l'histoire, on n'a pas eu quelqu'un qui a fait le portrait du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme cette femme-là. Elle l'a observé quelques minutes. Mais le portrait qu'elle a, un jour peut-être on va consacrer le temps au portrait du messager d'Allah fait par Ummi Ma'bat. Elle a dit, c'est un homme pas trop grand de taille pour qu'on le méprise. Parce que lorsque ta taille est très grande, les gens, on a dans notre langage, on dit longo, longo. Donc, on te méprise. Et il dit pas également trop court pour qu'on le méprise, il a une taille moyenne. Il est de taille moyenne. Il n'est ni gros, ni mince, une corpulence moyenne. Elle dit, la sueur qui coule sur lui, on dirait des pépites de diamant. Elle dit également, il est seul, mais tu as l'impression qu'il est accompagné par une foule. Lorsqu'il parle, ceux qui l'accompagnent se taisent, tu as l'impression qu'il y a des oiseaux sur leur tête, qu'ils ne veulent pas bouger pour que ces oiseaux ne s'envolent pas. Ça, c'est le respect que les compagnons avaient envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Au point où lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur parle, ils étaient concentrés à l'écouter, ils l'aimaient, le vénéraient, le respectaient. Ils étaient concentrés comme s'il y avait des oiseaux sur leur tête, ils ne voulaient pas bouger pour que ça se lève. Mais ils n'ont jamais fait le maulid.
Ils n'ont jamais fêté son anniversaire. Si quelqu'un va nous dire que montrer l'amour au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est faire cela, alors on va lui dire, voilà ses compagnons qui étaient prêts à donner leur vie pour lui, mais jamais ils n'ont pensé à faire ça. Donc, ce n'est pas de la religion, c'est des choses innovées, inventées pour écarter les musulmans des vrais enseignements du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam. Ainsi, elle a dit, dès qu'elle a fini de faire ce portrait, son mari lui dit, ça doit être l'homme que les Quraysh cherchent. Ça ne peut être que lui. Et elle dit, son mari dit, si seulement il m'avait trouvé, je l'aurais accompagné également pour le protéger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont continué dans la route. Quand ils ont quitté cet endroit, les gens de la Mecque, ceux qui étaient restés à la Mecque, parmi lesquels Ali, Ibn Abi Talib radiyallahu anhu, on avait également Asma bint Abi Bakr, la fille d'Abi Bakr, Abdullah ibn Abi Bakr, et quelques-uns des compagnons qui étaient faibles, qui ne pouvaient pas sortir. Asma dit, nous étions sans nouvelles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Depuis qu'ils sont sortis, puisqu'ils sont sortis lundi, mardi, ils sont arrêtés quelque part, puis ils sont arrivés à la grotte d'Umm Ma'bad. Ceux qui sont à la Mecque n'avaient pas leurs nouvelles. C'est un peu comme quelqu'un qui fait un voyage. Ceux qui l'attendent à destination n'ont aucune de ces nouvelles. Les compagnons de l'autre côté à Médine, ils savent que depuis on a dit que le messager d'Allah est sorti de la Mecque. Mais il n'est jamais arrivé à Médine. Donc ils ne savaient même pas qu'il a fait 3 jours d'abord dans une grotte à Mecca. Et ceux de la Mecque également savent qu'il est sorti. Mais on n'a jamais entendu qu'il est arrivé à Médine. Il n'y avait pas les téléphones. Tout le monde est inquiet. Personne n'a de ces nouvelles. Personne ne sait où ils sont exactement. Jusqu'à ce que Asma bint Abi Bakr, elle dit, après que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait dépassé l'endroit de Umm Ma'bad, ils ont entendu une voix. Une voix qui parlait à Mecca. On entendait la voix, mais on ne voyait pas la personne qui est en train de parler. Comme je vous l'ai dit ici, la voix parlait avec des vers de poésie. Et comme cela a été relaté dans les livres de Sirah, on dit que c'est un djinn parmi les djinns musulmans qui justement faisait cela en disant Jazallahu Rabb al-Arshi Khayra Jazaihi Rafiqaini Hala Khaymatai Umma Ma'badi. Qu'Allah récompense, ou qu'Allah, le Seigneur du trône, récompense de la meilleure manière les deux compagnons qui ont séjourné dans les tentes de Umm Ma'badi. Huma nazala bil birri wa rtahala bihi. Ils sont descendus là-bas avec la piété, puis s'en ont allés également avec cela. Wa aflaha man amsa rafiqa Muhammadi. Et a certes réussi celui qui a passé sa soirée en tant que compagnie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faya la Qusay, ma zawallahu ankum bihi min fi'alin. Il a donc fait ces vers de poésie en disant de demander à Umm Ma'bad ce qui s'est passé et tout cela. Voilà ici que c'est là qu'ils ont eu ces nouvelles du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a continué sa route avec Abu Bakr. Et ils sont passés devant un village où des gens les ont aperçus finalement. Quelqu'un est revenu parce qu'il passait par des sentiers et des pistes qui s'éloignaient des campements, des villages et tout cela dans les déserts afin de ne pas tomber sur les mercenaires. Mais quelqu'un les a aperçus et a couru et venu dans un village pour leur dire que je viens d'apercevoir des gens sur un chameau parti. Je suis sûr que c'est celui que les Quraysh cherchent. Suraqah ibn Malik, nous disant, radiyallahu anhu, mais à cette époque, s'il n'était pas musulman, il essaye de dissuader ces gens. Il dit, non, c'est faux, ça ne peut pas être eux. Vous savez que moi, je suis le meilleur pisteur dans le désert. Je suis un chasseur de prix. Chasseur de primes, et je suis également un mercenaire. Si c'était eux, Akaïl vous ment, il ne faut pas vous fatiguer à aller. Il leur a dit comme ça, et il a dit à sa servante d'apprêter son chameau et de faire sortir ça par derrière la maison. Donc il les dissuade pour lui aller, pour de sortir son cheval, pas son chameau, par derrière la maison. Il est sorti par derrière la maison, il s'est mis à galoper vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour les rattraper. C'est un pisteur, c'est un mercenaire. Quand il se rapprochait d'eux,
Abu Bakr Siddiq radiallahu ne cessait de se retourner. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne se retournait même pas pour voir la personne qui galope pour venir vers eux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne se retournait même pas. Le messager d'Allah est en train de faire ses doigts et ses askars, ses invocations, et il évoquait son Seigneur. Chaque fois que Suraqa ibn Malik s'approchait d'eux, il y avait comme du sable mouvant qui arrêtait les pieds de son cheval. Il tombe. Il sort son cheval, il galope, il n'arrive pas. Il galope, il n'arrive pas. Puis il a laissé son cheval, il les a appelés. Il a dit, « Oh, vous les voyageurs, soyez en sécurité, je ne vous ferai rien. Je sais que vous êtes protégés, rien ne peut vous arriver. » Là, il a compris qu'il ne pouvait pas atteindre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de se rapprocher. Il s'est rapproché. Il a dit, « Le sallallahu alayhi wa sallam, tu es un homme protégé, rien ne peut t'arriver. » Avec tous les complots qui ont été faits sur toi. Là, moi également, je suis un grand mercenaire. Quand je piste une personne, je ne rate pas ma proie. Mais depuis là, je n'arrive pas. Et j'ai compris que vous êtes protégé par une force invisible et rien ne vous peut. Il dit toutefois, à cet instant-là, certains savants disent qu'il ne s'est pas converti à l'islam à cet instant. D'autres disent qu'il s'est converti parce qu'il a demandé au sallam de lui écrire un pacte de paix. Il a dit au sallam, je sais qu'un jour, tu vas dominer tout cet endroit, la Mecque. Mais je veux que tu me signes un accord de paix pour que si les musulmans arrivent un jour, ils voient que moi, tu m'as signé un accord de paix. Sallam lui a signé. Il était venu les combattre. Il leur a dit, il leur a même augmenté son cheval. Il leur a donné les provisions. Il leur a dit, prenez tout ça. Il leur a augmenté les provisions. Il dit, quant à moi, je vais aller dissuader les gens qui ne vous suivent pas. Quand il partait, le Rasoul sallam a dit, rappelle-le. Il est venu. Abu Bakr lui dit, le prophète a dit qu'en t'approchant, il a vu sur tes mains que tu allais porter les bracelets de Kisra. Kisra, c'était l'empereur de l'empire perse. Parce que l'empire romain et l'empire perse étaient les deux empires qui dominaient le monde. Mais le prophète est en train de lui faire une prédiction selon laquelle l'empire perse va crouler. Et justement, au califat de Omar radiallahu anhu, sous l'impulsion de Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As, Al-Kahka et bien nombre de ses compagnons du messager d'Allah, l'empire romain et l'empire perse a été mis à terre. Et justement, ils étaient rentrés avec ces bracelets de Kisra et ils ont réalisé la prophétie, ils ont fait porter à Suraqa ibn Malik ces bracelets-là. Le Salam lui dit, en te voyant, j'ai vu que tu porteras les bracelets de Kisra. Il dit, qui moi et sa tulipe? Le Salam lui dit, oui, toi. Ils ont continué, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Quba le lundi 8 Rabi'ul Awwal. Lundi 8 Rabi'ul Awwal, ils sont arrivés à Quba. C'est pourquoi on vous dit souvent que le sallam, il est né un lundi. Il a reçu la révélation un lundi. Il a quitté la Mecque un lundi, c'est lundi qu'il a quitté la grotte. Et il est entré à Médine un lundi. Il est mort également un lundi. Parce que Quba, c'est déjà... quelqu'un qui arrive en Bankomo, il est déjà dans Yaoundé. N'est-ce pas? Quba, c'est comme à l'entrée de Médine. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous allez, quand vous faites le tourisme, c'est pas loin. C'est à 15 minutes de la mosquée, avec les moyens de transport aujourd'hui. 15-20 minutes de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, 15 minutes du centre-ville de Médine. Ils sont arrivés à Quba lundi, on va dire l'an 13, après que le messager d'Allah ait reçu la prophétie. Et les musulmans de Médine attendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam impatiemment. Et ils étaient sans nouvelles de lui, comme je vous l'avais dit. Mais chaque jour, ils sortaient de Médine jusqu'à venir camper à Quba. C'est comme quelqu'un qui va vous attendre à l'entrée de la ville, à Bankomo ou à Quba, en quelque chose comme ça. Il venait camper à Quba pour attendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand la journée finissait, qu'il n'est pas revenu, il rentrait. Ce jour-là, il l'attendait et quand le soleil était très ardent, ils sont rentrés. Puis un de parmi les juifs de Médine, qui avait une maison surélevée en étage, était au-dessus parce que lui, il guettait autre chose. Il cherchait quelque chose à longue distance, puis il les a aperçus. Il a aperçu le prophète sallam qui arrivait
Et le prophète sallam était vêtu de blanc. Ses habits-là ont dit qu'il a croisé sur la route un musulman du Yémen qui avait cru en lui. C'est lui qui leur a donné ses habits blancs-là, parmi les habits du Yémen. Alors, dès qu'il les a aperçus, il a dit, « Oh, vous les Arabes, votre grand-père que vous attendiez là est arrivé. » Alors, ça a fait un grand takbir. Il y a eu un « Allahu Akbar » à Quba, on dit, jusqu'à ce que toute Médine a vibré. Les sahaba qui étaient là, les Umar ibn al-Khattab, Saad ibn Abi Waqas, Abdurrahman ibn Auf, tous ces gros noms des sahaba, ils étaient là. Uthman ibn Affan, tous étaient là pour l'accueillir. Il a accueilli dans à Quba. Il est resté à Quba pour faire quoi? Pour attendre l'arrivée de Ali radiallahu anhu que le prophète sallam avait laissé au préalable derrière. Vous vous rappelez, quand on a voulu l'assassiner, c'est Ali radiallahu anhu qui l'a laissé dans son lit. Et Ali, il lui avait également demandé que lorsque je serai parti, voilà les dépôts des gens. Vous savez, les gens de la Mecque, ils étaient étonnants. Ils ne croyaient pas en lui, voulaient l'assassiner, pourtant ils avaient la ferme conviction en eux que c'est une personne digne de confiance. C'est pourquoi Jules César, lorsqu'il a confronté Abu Sufyan sur la question de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé, est-ce qu'il a déjà menti? Il dit, non, on ne le connaît pas menteur. Il dit, une personne qui ne ment pas aux hommes, il ne va pas mentir sur le nom de Dieu. Il ne peut pas mentir sur le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, Ali était resté, malgré que les gens de la Mecque ne croyaient pas en lui, mais c'est chez lui, il était comme on appelle le père de la tontine. C'est chez lui qu'il gardait toutes leurs choses, leurs richesses, parce qu'il savait que c'est un digne de confiance. Tout ce que tu gardes, tu vas retrouver. Il avait donc laissé à Ali radiallahu anhu tous les amanats, ces dépôts des gens de la Mecque, de le leur restituer. Ali allait se placer en plein Kaaba le jour où il devait justement sortir aussi pour partir. Il dit, venez récupérer vos amanats, vos dépôts, vos engagements vis-à-vis du messager d'Allah. Il leur a restitué tout cela. Le messager d'Allah est resté à Quba. Et pendant son temps à Quba, il a justement établi la première mosquée construite par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cette mosquée qu'Allah dit, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin haqqu an taquma fi. Une mosquée construite sur la piété dès son premier jour est plus en droit que tu te tiennes là-bas. C'est cette mosquée, la mosquée de Quba. Regardez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Partout où il passe, quand il campe, il ne construit pas sa maison à lui. Même arrivé à Médine, vous allez le voir, avant de construire sa maison, on a construit d'abord quoi? La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont construit la mosquée ici à Quba, qui est connue jusqu'à aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. La mosquée de Mecca a une particularité par rapport à toutes les mosquées du monde. Une prière à la mosquée de la Mecque vaut 100 000 prières partout ailleurs. Est-ce qu'on se comprend? 100 000 prières. Une prière à la mosquée de Médine vaut 1000 prières, c'est-à-dire une à Mecca fait 100 à Médine. Parce que là-bas c'est 100 000, là c'est 1000. Et une prière à la mosquée de Jérusalem, qu'Allah le Très-Haut accorde cette mosquée aux musulmans, une prière à la mosquée de Jérusalem vaut 500. C'est les trois lieux saints de l'islam. Que quelqu'un ne vous mente pas, en dehors de ces trois mosquées, une seule mosquée peut avoir encore une autre particularité. La mosquée de Quba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il allait s'établir à Médine, chaque samedi, il quittait. Samedi matin, il venait faire deux rakat ou à la mosquée de Quba. Et il disait, celui qui fait ses ablutions de sa maison sort et se rend à la mosquée de Quba, fait deux rakat, il a la récompense d'une umrah complète. En dehors de ces mosquées-là, que personne ne vous mente qu'il y a une mosquée au Maroc, une mosquée au Sénégal, une mosquée au Pakistan, wallahi, c'est comme la même mosquée qu'il y a dans ton quartier. Si tu veux rester, tu pries là-bas. Si tu dépenses ton argent pour faire des voyages comme ça, tu as dépensé ton argent dans le vide. Et tu pourrais porter un péché si toi tu attribues à cette mosquée des valeurs qui n'ont pas été attribuées par Allah et son messager. Est-ce qu'on se comprend? Toutes les autres mosquées dans le monde, quelles qu'elles soient, au Maroc, au Sénégal ou je ne sais où,
ça a la même valeur que la mosquée de ton quartier. Si tu pries en groupe, c'est 27 ou quelque chose comme ça. Alors la mosquée de Quba, voilà sa particularité. Celui qui fait les ablutions de Médine, il sort, il va à Quba, il fait deux rakat, il a la récompense d'avoir fait une umrah. Ils sont restés à Quba lundi, mardi, mercredi, jeudi. Parce qu'ils ont quitté vendredi matin. Tout ce temps, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait pour attendre qui? Ali radiallahu anhu. Il ne voulait pas entrer à Médine sans Ali radiallahu anhu. En fait, sans un de ses compagnons. Parce que ça devait être marqué de beaucoup de récompenses. Vous savez qu'il y a beaucoup des actes que les compagnons ont posés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la bataille de Badr. Allah leur a dit de faire tout ce qu'ils veulent, Allah leur a pardonné. Le sallam a dit, les compagnons qui lui ont fait le pacte, la bay'a, ils étaient près de 1800 sous l'arbre qui lui ont fait la bay'a. Il a dit, aucun d'eux, le feu de l'enfer ne va toucher leur corps. Donc le sallam voulait que Ali radiallahu anhu également ait cette récompense d'être entré à Médine ensemble avec le messager d'Allah sallam. Vendredi matin, ils ont quitté Quba pour entrer donc à... Pour entrer où? À Médine. Ils ont quitté le matin à Quba. On va dire peut-être qu'ils ont quitté, il était déjà les 9h-10h de nos heures d'aujourd'hui. Quand ils ont quitté, parce que imaginez quelqu'un qui quitte une vanne, un banco ici à Yaoundé pour entrer dans la capitale même. S'il quitte à 10h, s'il n'y avait pas de voitures, c'était des chameaux, ils étaient à pied. Il a quitté là, avant d'entrer à Médine proprement dit, à un endroit, l'heure de la prière de Zuhur les a rattrapés. Et c'était vendredi. Et comme c'était vendredi, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pendant les deux années que la prière a été rendue obligatoire à Mecca, où ils ont prié, jamais ils n'avaient pu effectuer la prière du vendredi comme ça se présente, c'est-à-dire l'imam monte sur le mimbar, il délivre un sermon, puis vous faites deux rakats. Ils n'avaient jamais pu parce que les polythéistes de la Mecque leur empêchaient de le faire à la Kaaba. Alors ce jour-là, à l'entrée un peu de Médine, ils se sont arrêtés à l'endroit des Banu Salim ibn Auf. C'était comme le campement des Banu Salim. Ils sont arrêtés là. Ceux qu'ils ont trouvés à cet endroit et ceux avec qui sont venus l'entièreté, le messager d'Allah était en compagnie de 100 hommes et ils ont fait le premier vendredi de l'histoire de l'islam. Première prière du vendredi. Quand vous allez actuellement à Médine, à l'endroit là les gens ont établi la mosquée, c'est devenu Masjidul Jum'a, la mosquée du vendredi. La mosquée du vendredi. Ils ont fait le vendredi à cet endroit là, mais cette mosquée n'a aucune particularité. Parce que quand on va souvent, il y a des gens, ils partent, Masjidul Qiblatayn, oui, pour l'histoire, tu peux aller pour voir. La mosquée où les compagnons priaient, ils étaient dirigés vers Jérusalem, puis le verset est venu pour les dire que la direction de la prière a changé, c'est vers Makkah, et ils ont changé, dans la même prière, ils ont fait les deux Qibla. Pour vous montrer combien les compagnons obéissaient au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et également, on peut vous amener également en visite à Masjidul Jum'a. C'est juste des visites, mais ça n'a rien. Si tu entres là, tu fais deux rakats comme on fait des rakats pour saluer une mosquée et c'est tout. Est-ce qu'on se comprend? Alors, après cela, ils sont entrés à Médine. Quand ils sont entrés justement à Médine, ils sont entrés et comme vous le savez, il y a eu la divergence entre les savants. Est-ce que cela a été chantonné par les gens de Médine? Il y avait une foule pour accueillir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à cette entrée de Médine. Et il y a eu ce que vous savez, ce poème fait par les enfants des Ansar, Tala al-Badru alayna, la lune est apparue sur nous, min thaniyatil wada, à partir de l'endroit appelé thaniyatul wada. Thaniyatul wada, c'était comme la sortie, c'est un peu comme on peut dire les endroits où il y a les bus de voyage pour sortir. C'est l'endroit où on accompagnait quelqu'un pour sortir de Médine ou pour entrer. Ou c'est l'endroit qu'on attendait quelqu'un pour l'accueillir. Min thaniyatil wada. Wajabat shukru alayna. Il nous est obligatoire d'être reconnaissant. Ma da'a lillahida. Aussi longtemps que l'appeleur à Allah va appeler. Ayyuhal mab'uthu fina. Ô toi qui as été envoyé vers nous. Dit tabil amril muta. Tu es venu avec une affaire
que nous allons obéir, c'est-à-dire une religion que nous allons obéir. Dit Tasharraft al-Madina, tu es venu et tu as anobli la ville de Médine. Marhaban ya Khayrada. Sois le bienvenu, toi le meilleur de ceux qui appellent à Allah tabaraka wa ta'ala. Il est entré donc à Médine, effectivement ce vendredi-là. Et son chameau, les gens voulaient retenir son chameau, les ansars se discutaient plutôt. Chacun voulait que c'est lui qui va accueillir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison. Et il leur disait, da'ha fa innaha ma'moura. Laissez ma chamelle, ne touchez pas à ses rênes. Elle est guidée. C'est-à-dire, c'est Allah qui la guide. Elle est ordonnée où elle veut. Elle s'est avancée jusqu'à ce qu'elle est arrivée à côté du clan des Banu Najjar. Les Banu Najjar, ce sont les oncles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que sa mère était de Médine. Elle s'est couchée légèrement, pas complètement à un endroit. Puis elle s'est relevée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ici, nous bâtirons la mosquée de Médine. Elle s'est relevée, elle a encore fait quelques pas, elle est encore revenue près de cet endroit. Dès qu'elle s'est couchée, elle s'est arrêtée là. Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, il a été intelligent. Il a très vite arrêté les rênes là, il est entré avec la monture là dans sa maison. Maintenant tout le monde a commencé à dire, c'est moi qui vais accueillir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ma maison, c'est moi. Le prophète sallallahu leur dit, l'homme est avec sa monture. Donc, ma monture est entrée chez Abu Ayyub al-Ansari. Et Abu Ayyub a dit, l'alhamdu ya Rab. Il a loué Allah tabaraka wa ta'ala que c'est lui qui a accueilli le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Après que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se soit installé donc à Médine, ceux qui étaient restés de sa famille derrière, son épouse Sauda, ainsi que sa fille Fatima, sa fille Umm Kulthoum, et Usama ibn Zayd, et Umm Ayman, ils sont donc venus. Mais ils étaient sous qui les a pris pour les amener tous? C'est Abdullah ibn Abi Bakr. Abdullah, le fils d'Abu Bakr, qui les a pris pour les amener, eux et la famille. Eux et également la famille du sallam, la famille d'Abu Bakr, et il les a amenés à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est donc établi à Médine. Et ce sera cela certainement l'objet de notre prochain cours. Il a établi la fraternité entre les Ansars et les Muhadiroun. Établi la fraternité entre les émigrés de Mecca et les auxiliaires, dont ceux de Médine. Et il a établi également des lois, parce qu'il n'a pas trouvé, il a trouvé deux tribus arabes, en la personne des Aous et des Hazraj. Mais il a également trouvé quatre tribus juives, hein, les Banu Qaynuqa, les Banu Qurayza, les Banu Nadir, hein, les Banu, on a dit les Banu Qaynuqa, Banu Qurayza et Banu Nadir, trois tribus juives, et également les Aous et les Khazraj parmi les Arabes. Et il a fait des pactes pour rendre une vie paisible, et vous allez voir par la suite comment Allah tabaraka wa ta'ala l'a soutenu. Il a établi la mosquée de Médine, il a établi cette mosquée de Médine, et il a participé à la construction de cette mosquée. On verra la symbolique derrière. Lorsque tu es un croyant, lorsque tu es musulman, tu vois quelque part qu'on construit une mosquée. Si tu n'as même pas 5 francs pour participer à la construction de cette mosquée, ne serait-ce que le jour où on coule la dalle, vient également, mets ta force et coule la dalle, et est la bonne intention. Parce que même si tu as participé à 1% de la construction de cette mosquée, Allah, dans sa miséricorde infinie, peut te compter que c'est toi seul qui as construit toute cette mosquée. Vous êtes 1000 à avoir construit une mosquée, mais Allah compte à chacun que chacun a la récompense comme si c'est lui seul qui a construit. Si tu peux, ton sac de ciment, viens déposer, tu vois, on construit un hôpital islamique, un orphelinat, une école, une mosquée, fais ce que tu peux. Si tu n'as pas de quoi participer avec de l'argent, on fait un puits, des fourrages, participe. Si tu ne peux pas, ne serait-ce qu'avec ta force, viens également porter les parpaings. C'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait et nous a enseigné. Ainsi, chaque fois que les musulmans vont prier dans cette mosquée de Médine, eux qui ont bâti cette mosquée en premier, imaginez leur récompense. Ça ne cesse de s'arrêter. Hein? C'est parfait. Donc
Vous voyez un peu, c'est le bonus qui ne fait qu'entrer dedans. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite. Inch'Allah, le prochain cours sera sur maintenant la vie de Médine. Le prophète s'est définitivement installé à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, on finit quand même avec, dès qu'ils sont arrivés, il y avait une épidémie de palu. Et bon nombre de compagnons ont eu de la fièvre. Ils ont attrapé ce palu-là, parmi lesquels Abu Bakr et Bilal, radiyallahu anhum. Et quand on est venu dire cela au prophète sallam, il a invoqué contre les barons des polythéistes de la Mecque. Utbat ibn Rabi, Shaybat ibn Rabi, et tout cela, il a invoqué contre eux comme ils les ont expulsés de leur terre, parce qu'ils ne sont pas sortis de Mecque à cœur joie. Et il a invoqué Allah d'enlever ce palu-là, ces épidémies qu'il y a à Médine, de les envoyer loin dans d'autres contrées. Mais également, il a dit Allahumma habib ilayna al-Madina ka hubbina Makkata aw ashad. Oh Allah, fais-nous aimer la Médine comme nous aimons la Mecque ou encore bien plus. Vous savez, vous avez vu nos frères centrafricains ici, quand ils ont fui en tant que réfugiés, quand des gens fuient leur terre et qu'ils sont réfugiés quelque part, est-ce qu'ils aiment cet endroit comme ils aimaient leur terre? C'est un peu difficile au départ, le Salam a invoqué. Et je vous assure aujourd'hui, il n'y a pas une terre plus aimée des musulmans que Médine. Médine est même plus aimée que Mecca. Parce que la quiétude que vous trouvez à Médine quand vous y arrivez, subhanallah, le Salam a fait cette doua, Allahumma habibi ilayna al-Madina, ka hubbina Makkata aw ashad. Oh Allah, fais en sorte que nous aimions Médine comme nous aimions la Mecque ou encore bien plus. Et il a dit, Allahumma barik laha fi sa'iha. Oh Allah, bénis la terre de Médine dans ses transactions, dans son commerce, dans ses balances. Il a invoqué la bénédiction pour la terre de Médine. Donc voilà, on a terminé avec ce que je peux appeler toute la partie mécoise. Et à partir du cours prochain, on commence vivement la partie médinoise. Comment la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va être rythmée? Est-ce que ceux-là qui avaient mis 100 chameaux, qu'on le ramène vivant ou mort, vont le laisser? Est-ce qu'il va pouvoir dormir en paix dans sa maison? Va-t-il devoir employer les gardes du corps? Ou lui-même va tenir la garde dans sa maison pour que les mercenaires ne viennent pas? Quelle sera la suite? Comment va-t-il organiser la vie avec les juifs de Médine, les Haus et les Khazraj, deux tribus arabes qui se faisaient la guerre, mais également d'autres Haus et Khazraj, d'autres tribus arabes qui sont restées polythéistes et idolâtres, n'ont pas embrassé l'islam? Comment est-ce que Allah a secouru son messager et comment à chaque étape il a eu la solution à toutes les questions qui se sont posées devant lui? Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que nous tirions des leçons qui se posent quand on lit la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ce ne soit pas que des histoires pour nous, mais des sources d'inspiration. Parce qu'aujourd'hui, des gens prennent l'inspiration dans les soi-disant stars, les soi-disant influenceurs, je ne sais quoi. Le sallam a parlé des Ar-Rouaybida. Il dit, les savants disent clairement que ce sont ces influenceurs. Quelques influenceurs, même le terme là même est mouche à entendre. Influenceurs. Les gens cherchent aujourd'hui des modèles hors du vrai modèle. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ. Vous avez en la personne du messager d'Allah un bel exemple à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque abondamment Allah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a trouvé les qui en tant que tribu arabe et les qui en tant que tribu juive à Médine. Tu avais déjà reçu un livre? Hein? Tu n'avais pas reçu un livre? Ok, vas-y. Oui, Haus et Khazraj, tribu arabe, non. Et les tribus juives? Banu Qaynuqa, Banu Nadir, non, Banu Qurayza, en effet. Prenez votre livre, Barakallahu Fikum. Salam alaikum wa rahmatullah.